me demande où j'ai appris, moi j'ai appris dans le ventre de ma mère. Donc moi j'ai fait mon bac, j'étais à la fac et tout, puis après, ben, c'est dans les années 70-75 qui est arrivé toutes ces fleurs made in Taïwan en plastique. Et donc bon, ben là on a pris un gros coup de pelle dans les dents. Et donc ça m'embêtait que la maison elle disparaisse, et donc je suis venu bosser avec mes parents. Pour pouvoir faire la fleur, bon, vous avez vu en bas, elles ont un peu de tenue, donc il faut qu'on l'apprête, c'est-à-dire qu'on le durcisse un peu de manière à pouvoir le découper sans qu'il s'effrite. C'est-à-dire on va durcir le tissu, c'est de l'eau avec de la gélatine, on va tremper la soie dans la mixture, c'est la grande cuisine, t'as vu la mixture. Tu veux le faire ? Non, tu fais très bien. C'est super bouillant. Ben, je sais bien, c'est pour ça que je préfère que ce soit toi. On va le tendre sur le cadre. Donc les châssis sont là, il y a des clous partout. Et on va le clouter. Quand on entend le tissu. Voilà, quand on l'entend chanter un petit peu. S'il faut arrêter. C'est que voilà, on n'est pas loin de la fin. Sinon ça déchire. Écoutez. Après on dessert. Posez l'outil. Et il tapait. J'ai pas connu cette version. J'ai connu que celle-là. C'est déjà pas mal. Allons. Donc, allez. L'outil là, il est tranchant. Le but du jeu, ça va être de découper le tissu. Donc la première étape, on apprête le tissu. La deuxième étape, on découpe les pétales. La troisième étape, on va teindre les pétales. Donc là, j'ai mes colorants. Tiens, ben voilà. Au départ, j'ai des poudres. Faisais pas les cons parce que c'est volatile. C'est des teintures à l'alcool, des fuchsines à l'alcool. J'ai un jaune, un rouge orangé, un marron, un violet bleu, un noir, un vert, un marine foncé, un bleu roi, un violet rouge, un gris, un marron foncé et un turquoise. Et avec tout ça, je fais tout ce que je peux. Le but du jeu, ça va être de gaufrer les pétales. Il va passer du stade raide et dur au stade souple et mou. Oh, c'est beau ça. Avec ou les différentes tailles de boules qui sont là, ou les différentes formes de pinces qu'elle va avoir, elle va gaufrer ses fleurs. Si elle pose la boule sur le pétale, il va cramer. Donc la cire, ça va lui permettre de refroidir la boule. Et là, en le posant, en donnant la forme avec la boule chaude, ça va sécher l'après, ça va durcir le pétale et ça va garder la forme. C'est quand même de la pression. Vous avez, je sais pas, comme on disait, la Dior qui demande 20 000 fleurs en 2 mois et demi. Ça fait un beau chiffre, tu peux pas leur dire non, quoi. Bon, des fois, on se fait engueuler, la couleur va pas, ou un peu si, ou un peu pas. Enfin, ok, mais bon, il y a des trucs où c'est vraiment, ils sont antiquinants. Quoi. Entre une qualité bonne et être chiant, il y a une différence qu'on peut, qui nous gonfle largement par moment. Quoi. La carte de la maison. La même carte de la maison. Mon arrière-grand-père avait pompé la gravure de l'encyclopédie du d'Alembert pour faire la carte de visite de la maison. Parce que des maisons comme nous, il y en avait... de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il y en avait des dizaines et des dizaines. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Enfin, en vrai, on est trois. Enfin, il y a un moment que les femmes, entre guillemets, portent plus de chapeau. Les générations passent, les modes passent, et puis on trouve autre chose, on essaye. Voilà les jeunes, l'histoire de la maison.